Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivai, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel. Vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres. Si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi. Les femmes même faisaient un arc-en-ciel nuancé de 1000 couleurs qui m'entouraient. Si j'étais au spectacle, je trouvais d'abord 100 lorgnettes dressées contre ma figure. Enfin, jamais homme n'a tant été vu que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre et qui disaient entre eux « Il faut avouer qu'il a l'air bien perçant. » Chose admirable, je trouvais de mes portraits partout. Je me voyais multipliée dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées, tant on craignait de ne m'avoir pas assez vue. Tant d'honneur ne laisse pas d'être à charge. Je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare. Et quoique j'ai très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé que je dusse troubler le repos d'une grande ville où je n'étais point connue. Cela me fit résoudre à quitter l'habit persan et à en endosser un à l'européenne, pour voir s'il resterait encore dans ma physionomie quelque chose d'admirable. Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement, libre de tous les ornements étrangers, je me vis appréciée au plus juste. J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et l'estime publique, car j'entrais tout à coup dans un néant affreux. Je demeurais quelquefois 1 heure dans une compagnie sans qu'on m'eût regardé et qu'on m'eût mise en occasion d'ouvrir la bouche. Mais si quelqu'un, par hasard, apprenait à la compagnie que j'étais persan, alors j'entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement « Oh, 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 monsieur est persan, oh, oh, c'est une chose bien extraordinaire. Comment peut-on être persan ?» De Paris, le 6 de la lune de Chalval, 1712. Lorsque mon âme sera séparée de mon corps, y aura-t-il moins d'ordre et moins d'arrangement dans l'univers ? Croyez-vous que cette nouvelle combinaison soit moins parfaite et moins dépendante des lois générales? Que le monde y ait perdu quelque chose? Et que les ouvrages de Dieu soient moins grands, ou plutôt moins immenses? Pensez-vous que mon corps, devenu un épi de blé, un verre, un gazon, soit changé en un ouvrage de la nature moins digne d'elle, et que mon âme, dégagée de tout ce qu'elle avait de terrestre, soit devenue moins sublime? Toutes ces idées, mon cher Ibben, n'ont d'autre source que notre orgueil. Nous ne sentons point notre petitesse, et malgré qu'on en est, nous voulons être comptés dans l'univers, y figurer et y être un objet important. Nous nous imaginons que l'anéantissement d'un être aussi parfait que nous dégraderait toute la nature, et que nous ne concevons pas qu'un homme de plus ou de moins dans le monde, et que dis-je, tous les hommes ensemble, 100 millions de têtes comme la nôtre, ne sont qu'un atome subtil et délié que Dieu n'aperçoit qu'à cause de l'immensité de ses connaissances. De Paris, le 15 de la lune de Safar. 1715.